Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu faire de vidéo hier, parce que comme vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui était décoration de Noël. J'ai pas fini de ranger ici, hein, c'est encore un peu le bordel ici, là, mais ça va le faire. Voilà. Donc je reviens vers vous. Alors je suis peut-être un peu palote, c'est pas grave. C'est parce que je vous avais dit sur mon live que ma fille, son stage était annulé. Mais finalement, non, ils se sont aperçus quand même que quand on travaille dans un commerce, il n'y a pas de télétravail. Mais bon, bref. Donc du coup, elle est partie à son stage. Ce matin, j'ai angoissé pendant à peu près 40 minutes, un peu moins, le temps qu'elle m'appelle, qu'elle était bien arrivée. Et ça va mieux. Hein, elle est bien arrivée, tout s'est bien passé, soulagée, voilà. Ah oui, hein, elles ont 15 ans, mais on est quand même toujours en train de s'angoisser, hein, on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà, voilà, j'arrête mon blabla et on découvre les courriers. Alors, je vais commencer par la balle du cœur, parce que c'est une balle du cœur, celle-ci. Oh, c'est une enveloppe à bulles, simplement comme ça. Voilà. Donc, je l'ai au préalablement ouvert. Oh. Donc, l'envoi me vient de Dom. Son pseudo YouTube, elle n'a pas de chaîne, mais quand elle vient commenter, c'est Dométis. Je te remercie beaucoup, madame. Je te fais des gros bisous. C'est super gentil de ta part. D'avance. Je n'ai pas encore regardé, mais voilà. Oh, oh, que c'est beau. Oh oui, trop, trop beau. Ah oui, regardez, elle m'a fait une belle ABC sur le thème de Noël avec le petit cerf. Ça, c'est les petits embellissements mousse de chez Action. Un petit bonhomme de neige, des sapins. Un embellissement bois, des découpes et le fond, oui, tu es venu tamponner. Je sais pas si vous verrez, si le fond de l'ABC. Merci beaucoup, elle est magnifique ton ABC. Le proverbe du jour, si les chats portaient des gants, ils m'attraperaient pas de souris. Oui, ça c'est vrai. Alors, tu aimes les chats, le verre, les chats, les livres, le vintage. Tu n'aimes pas la neige et tu n'aimes pas le bleu. Et pourtant, c'est un peu... Ah, c'est peut-être plus vert que bleu. Bon, bref. Après, on peut pas aimer la couleur et la travailler quand même. Merci beaucoup, madame. Elle est trop belle. Elle va aller rejoindre ses copinettes. Ça fera peut-être bientôt partie d'un tuto. On fera peut-être une boîte, je sais pas. D'accord. Donc, elle m'a fait une belle enveloppe comme ceci, avec un beau nœud violet. Il est seulement magnifique. Avec un embellissement, un die cut. Elle a fait passer le ruban. Et elle me signale que c'est un tuto de Miss Miu Miu. Donc, on va l'ouvrir. Oh, c'est une très jolie enveloppe. Hein. Ouh là 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 là. Oh, mais il y a plein de choses là-dedans. Alors, je vais déjà sortir ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah, c'est peut-être une enveloppe qui fait un mini, en fait. Un mini-mini. Donc, voilà. Je vous montre. Regardez. Un die-cut fleur. Un die-cut avec un cœur. Là, c'est encore un cœur avec où on peut écrire un sentiment. Là, des fleurs. Et au milieu, ça se... oh. Non, 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 non. Voilà. Un sentiment. Là, il y a une petite pochette. Et là, je vais vous mettre sur mes mains. Ça sera plus facile pour découvrir comment ça se passe à l'intérieur. Ah, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mettre la nappe sur la table. Donc, on va ouvrir. Si vous voyez, oui. On va ouvrir donc le petit bout de dentelle. Trop joli. Ah oui, voyez, c'est un mini. Donc, on peut mettre 4 photos et 3
derrière, justement, il me reste des petites photos que j'avais imprimées pour mon December Daily. Il me reste 2-3 pages à faire. Je vous montrerai quand il sera fini. Voilà. Et dans la deuxième pochette, on a un petit... pareil, hein. Vous mettez des petites photos. Oh, c'est génial. Et le sentiment, c'est « Love is in the air ». Oh là là, c'est trop joli. Ah, j'aime beaucoup. Merci, merci, madame, merci. Alors, attendez, je sais pas trop. Je sais pas plutôt déjà les côtés. Voilà. Oh, merci beaucoup, madame. C'est trop beau. Merci. Ensuite, elle m'a fait une ATC. C'est la 4 sur 4. Elle a été faite le 20 décembre et c'est le thème Noël par Dométis. Donc voilà, assemblée à la TC, à l'ABC, je vais y arriver. Donc on a Joyeux Noël, une demi-perle, une découpe, un embellissement bois et le petit bonhomme de neige. Et une découpe sympa. Ah, tu as fait de la pâte de structure. Ah oui, oui, oui. Regarde, je ne sais pas si vous verrez. Mais là, les petits icônes que vous voyez blancs, là, c'est de la pâte de structure et elle a mis une découpe sapin. Elle est trop, trop belle, ton ATC. Merci beaucoup. Là, mon classeur, ça y est, là, il va être plein. Je vais être obligée de refaire des pochettes ou d'en acheter, je sais pas. Et donc, elle m'a mis un petit mot. Alors, je pense que c'est une image que tu as dû colorier toi-même. Oui. Ou un tamponnage, hein. Regardez. Beau petit chalet dans la montagne avec les sapins, tout ça. Je vais lire ton petit mot. Coucou Zabo, pour cette année qui commence, je te présente mes vœux les plus sincères, la santé, du bonheur et la réussite de tous tes désirs, ainsi qu'à ta jolie petite famille. Caresse aux peluches, je t'embrasse très fort, Dom. Dom, je te présente aussi mes meilleurs vœux. Une bonne et heureuse année. Faites qu'elle se passe mieux que les précédentes. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc, merci beaucoup, madame. Ça me touche énormément. C'est trop, trop gentil. Et je ferai des caresses aux peluches. Alors, ça, c'est Dom qui les appelle comme ça. Les peluches et mes chats et mes chiens, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc, maintenant, on va faire une balle concours. Hein. Alors, voilà, j'ai reçu... une enveloppe avec des super jolis timbres comme ceci, avec des fées. Donc, j'ai su tout de suite, en regardant l'enveloppe, qui c'était. C'est la chaîne de fées 59. Bon, je vais regarder dans le... Excuse-moi, ma fée. Ah, j'ai oublié ton nom de chaîne. Non, mais c'est terrible. Ouh là là, mais il y a plein de choses dedans, dis donc. Mais il y a plein de choses. Alors ça, je pense que c'est ta petite carte ou un kiss. Je ne sais pas. Hop. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Oh. Non, c'est une jolie carte. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué ? Joyeux Noël et bonne année. Elle est très jolie, ta carte. Merci beaucoup, ma fée. Bonne fête et bonne année. De bonheur et surtout la santé, ainsi qu'à ta famille. Bah, surtout pour mes petites poulettes. Moi, bon, voilà. Voici ma participation à ton concours. Des 800 abonnés. Ouais, on les a bien dépassés. Je suis trop contente. Tu es une personne adorable. Merci encore de ta participation à mon concours. C'est avec beaucoup de retard, mais je m'en excuse. Comme tu le sais, je vais très souvent garder ma petite fille. Oui, 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 oui. Le temps, je m'écarte, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Au contraire, t'as fait beaucoup d'efforts parce que t'étais même pas obligée, ma bichette, parce que je sais que tu es très, très occupée. Oui, un peu plus tard. Je t'embrasse très fort, ma puce. Surtout, prends soin de toi, ainsi que de ton entourage. Et faites bien attention à vous, surtout. Là, ça me touche beaucoup, ton mot.
Marie-Jo, ça me touche énormément. Donc, on fait en sorte de faire attention à nous. Il n'y a pas de souci. Donc, je te souhaite à toi aussi une belle et heureuse année. Prends bien soin de toi et de ta petite famille. Moi, je vous dis, j'ai eu une dose de stress là et du coup, j'en perds mes mots avec des gentils mots comme ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je t'envoie plein de bisous. On va découvrir. Oh, génial! Oh, super! Des tamponnages! Ah, oh, c'est bien épais, c'est cool. Regardez ça. On a la petite grenouille. On a plein de sentiments. Merci beaucoup pour les sentiments. Je t'envoie une averse de bisous. Oh, c'est trop mignon. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la photocopier comme ça. Voilà. Je vais la photocopier et ça sera très bien. Excusez-moi, je reviens. Me revoilà. Excusez-moi, j'ai pas vu si ça tournait. Donc, j'en étais restée donc, au tamponnage. Merci beaucoup, Marie-Jo. C'est génial. Merci. Oh. Attends. Très belle journée. Un si doux moment. Oh, c'est magnifique, regardez. Elle m'a fait tamponnage lapin. Et j'ai deux sentiments. Alors, c'est une très belle journée. Et l'autre, c'est un si doux moment. Merci. Tes sentiments, ils sont trop bien. Oh, j'adore. Ça aussi, je vais photocopier, bien sûr. Ah, super. Regardez. C'est des tamponnages comme ceci, donc en ticket. C'est génial. Merci beaucoup. J'adore, j'adore. Oh, super. La poupette, elle est magnifique. Regardez. Pour coloriser ça, c'est super avec le sentiment. Put a little spring in your speed. Spip. Ouais, steep. Bref, je sais pas l'anglais. Voilà. Et moi, ça fait deux. Merci beaucoup. Oh, super. Visez la lune pour atteindre les... Visez la lune pour atteindre les étoiles. Nouveau départ. Oh là là. Regardez-moi ça. Des tamponnages chantiments. Oh, j'adore. C'est des chantiments que j'ai pas en plus. Magnifique. Merci. Oh, c'est chouette. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Regardez. Les petites chouettes avec. C'est le sentiment. C'est chouette. C'est trop mignon. Merci. Oh. Regardez, c'est un petit sac. Oh, c'est trop mignon. Avec un beau satin. Alors ça, ça doit être pour l'ouvrir. Faut pas que je fasse de bêtises, hein. Je veux pas... Attendez, que je regarde. Non, non, oui, c'est bien ça. Hop. Oh, donc vous voyez, il y a un petit... Elle a mis un petit bout de twin. Hop. Faire un passant pour accrocher le petit bouton. Oh, c'est super. Oh là là, mais il y a des choses encore dedans. Oh, ma bûchette. Alors, je pense qu'on peut le remettre du coup à plat, non? Possible? Oui. Ça, c'est nickel parce qu'on peut le plier, c'est vrai. Pour mettre dans une enveloppe, regardez. Joli contenant, hein? Vraiment, bon, il y a de quoi faire, hein? Et, elle nous donne ceci. Oh, merci, il est trop mignon. Oh, j'adore. Ah ouais. Mais il fallait pas, ma bûchette, mettre tout ça, enfin. Donc, elle m'a fait un tag gorgeous, avec une étiquette gorgeous, avec un merci et un joli un petit ruban gris. Très clair. Oh, j'adore. Avec qui? Ah non, c'est blanc. Et avec du... Oh, du foil métallique.
Je perds mes mots ce matin. Oh, c'est trop beau. Merci. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? D'accord, super. Ah ouais. Ok. Donc elle m'a fait une pochette. Je vais l'enlever, voilà. Comme ceci. Et donc elle m'explique que c'est une pochette pour mettre les tickets de caisse pour faire ses comptes en fait. C'est bien pratique pour les courses. C'est ça. Donc, d'un côté, on peut mettre sa liste de courses. Et de l'autre côté, les tickets de caisse, peu importe. Oh, c'est une super bonne idée. Donc, si vous voulez le refaire, elle me dit que vous pouvez aller sur sa chaîne. Attendez. Parce que là... non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? Oui, donc sa chaîne, c'est Créafé 59. Hein. Ou 59 Créafé, je mettrai sa chaîne en barre de description. Parce que franchement, moi, il m'est... Hein. Donc, elle me dit que dans sa playlist, la sélection création, et c'est la 9e vidéo, c'est un carnet à dépenses, 3e partie. Oh, c'est génial. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Hein. Avec une petite pochette ici, là, sur le devant. Ouais, ouais, pour mettre sa liste de courses, ses tickets de caisse, franchement, c'est super, c'est une super bonne idée. Génial. Ah bah, j'irai voir ta vidéo, ma fée. Oh là, oui. Elle m'avait même fait un modèle, elle avait mis un ticket de caisse, comme ça, dedans. C'est, waouh. Mais c'est vrai que c'est cool. Franchement, qu'on a toujours l'impression de perdre nos tickets, là. Surtout d'action quand on a besoin de faire des hauls. Bon, ça, j'en ai pas plus besoin, voilà. Oh là là, c'est trop joli. Merci. Non, c'est pas fait pour mettre la gorge juste. C'est fait pour mettre l'étiquette de caisse et la liste de courses. C'est pas mal. Oh, génial. Merci beaucoup, ma fée. Merci, merci, merci. Et elle m'a... Et elle m'a mis un... C'est pour mettre sur les portes. Alors ça, ça s'en va. Et on met sur les poignées de porte. Non, non, non. Chut. Jack, il a entendu les pompiers. Hé, viens ici, loulou. C'est rare que vous entendez le berger allemand gueuler, mais quand il entend les pompiers... Alors, désolé, ça a coupé. J'avais eu un problème de carte SD, mais bon. Donc, je voulais vous montrer donc la suspension de porte. Donc, c'est Keep Out. Et l'autre côté, c'est Come In. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, ma fée. Attendez, je vous reprends. Je te remercie beaucoup, Marie-Jo, ma fée, parce que je t'appelle toujours comme ça. Je te fais 1000 bisous. Et tu seras le numéro 28. Alors. Alors, tu seras le numéro 28. Donc, je vais aussi le mettre sur... ton enveloppe. Bah, si j'écris 29 au lieu de 28, moi, je suis barré. Hein. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton envoi. Les timbres sont seulement trop beaux. Merci, merci, merci beaucoup. Je te fais 1000 bisous. Surtout, prends bien soin de toi. C'est le principal. Voilà. Et de ta petite famille. Embrasse bien ta petite poupette. Embrasse bien tout le monde. Dom, je te fais 1000 bisous aussi, c'est trop trop gentil, ta balle du cœur m'a fait énormément plaisir. Donc je vais vous laisser là, mes amis. Normalement cet après-midi, si tout va bien, démo de la petite imprimante thermique, et ensuite on passera à quelques tutos. Hélène, si tu passes par là,
Tu regardes ma vidéo, ça part demain. Hein, tu sauras de quoi je parle. Voilà ma bichette. Donc je vous fais à tous des très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis un petit comme, un petit like. Bienvenue à nos nouveaux amis. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.